Oui, bonjour, c'est votre frère Eloge et qui c'est qui a décidé de faire encore un message audio pour vous apporter quelques paroles de prière prophétique pour vous aider à bien commencer votre semaine. En tant qu'être humain, nous savons combien la prière est nécessaire chaque jour de notre vie. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Priez en tout lieu et en tout temps, car l'esprit est disposé mais le corps est faible. Bien-aimés, il est très important de toujours commencer votre semaine avec la prière, d'autant que c'est de la façon dont l'on commence une chose qu'il la termine. C'est donc la raison qui me pousse ce matin à enregistrer ces prières pour vous les partager, de sorte que vous aussi, après les avoir finies, vous puissiez les transférer à d'autres personnes de votre choix. Pour tous ceux qui n'ont jamais entendu ma voix ou ne me connaissent pas, je suis Eloge Ekissi, évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur. Voilà, il est temps de prier, mais je voudrais d'abord vous expliquer le procédé pour réussir cette prière. Durant l'exécution de cette prière prophétique, si jamais vous entendez une parole ou une prière qui vous touche ou qui vous concerne, appuyez sur la touche pause de votre téléphone cellulaire ou de votre appareil pour prendre le temps de répéter cette prière pendant 1 à 5 minutes avant de poursuivre. Bien aimé, il ne s'agit pas seulement d'écouter cette prière, mais de les exécuter. Et durant l'exécution, vous devez penser à ce que vous dites et vous voir posséder ce que vous demandez pour que Dieu puisse vous l'accorder. Aussi, soyez disposé pendant que vous êtes en train de prier. Même si vous êtes en train de travailler pendant que cette prière passe, arrangez-vous pour voir en esprit et en vérité ce que vous faites ou ce que vous demandez à Dieu. Ne dites pas des paroles pendant que vos pensées sont ailleurs. Il faut que vos paroles, vos pensées et esprits soient unis pour que ces prières puissent toucher leur but. Croyez fermement en ce que vous dites et mettez-vous à l'idée que, une fois demandé, vous recevrez ce que vous aviez demandé à Dieu. Bien-aimés, il est temps de prier. Mais nous allons d'abord demander à Dieu de nous pardonner quelques petits péchés qui pourraient peut-être être un blocage ou donner à l'ennemi un droit légal de faire obstacle à ce que nous demandons. Alors, répétez ces prières avec moi pour que le Seigneur puisse nous affranchir de nos fautes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de l'occasion que tu me donnes pour exécuter cette prière. Seigneur, tu ne fais rien par hasard. Si tu m'as envoyé cette prière par l'intermédiaire de ton fils Eloge Ekissi, tu as une bonne raison, Père. Je te demande pardon pour mes péchés et pour mes erreurs. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal et pardonne-moi pour toute fois que je n'ai pas été très ferme dans ma prière et dans mes décisions. Lave-moi de tout ce qui pourrait donner à l'ennemi un droit légal pour me freiner. Et ouvre-moi les portes alors que je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas demander au sang de Jésus de te laver avant d'entrer dans ce combat spirituel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je demande maintenant que le sang de Jésus me lave de la tête jusqu'aux orteils. Lave-moi et purifie-moi pour que je sois quelqu'un digne d'être appelé un enfant de Dieu. Seigneur, efface tout dossier que le monde des ténèbres a monté contre moi sur la base de mes actes, de mes paroles, de mes pensées et de mes erreurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, efface tout droit que j'ai donné aux hommes pour parler contre moi, pour me juger, pour me condamner et pour me faire du mal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lave-moi de ton sang et purifie-moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas demander maintenant au Saint-Esprit de te guider, bien-aimé. Invoque l'Esprit de Dieu pour venir prendre la direction de ce que tu vas faire. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je demande que tu m'envoies ton Esprit pour me guider dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi du feu de ton Esprit, afin que, Père, pendant cette prière, je sois guidé et divinement instruit dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi et guide-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le contrôle de mes facultés. Ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mes oreilles pour t'entendre. Et ouvre mon esprit pour comprendre mes rêves dans le nom de Jésus-Christ.
Saint-Esprit, pendant que je suis en train de prier, mets les paroles dont j'ai besoin dans ma bouche et instruis-moi pour que je dise exactement ce dont mon esprit, mon corps, mon âme et ma situation ont besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car je sais déjà que ton esprit me guide durant cette prière. Agis dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer la prière, mais je vous recommande de la partager après l'avoir lue. Et aussi, répétez cette prière autant que vous pouvez cette semaine. Et je vous garantis que vous aurez des témoignages incroyables. Bien-aimés, je ne fais pas cela par hasard. Je ne peux pas me réveiller à 5 heures du matin et me mettre à enregistrer une prière parce que j'ai juste envie de parler. Non, c'est sous la direction divine que je suis en train de faire cela. Mais ce que je vous conseille de faire, s'il vous plaît, c'est de transférer cette prière à tous vos contacts de sorte que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un. C'est triste de voir que certains deviennent les causes de nos malheurs, de nos problèmes, de nos difficultés et de tout ce qui nous arrive de mal. Aujourd'hui, l'on garde rancune parce que quelqu'un l'a offensé, l'on garde rancune parce que quelqu'un ne l'a pas aidé, l'on garde rancune parce que quelqu'un ne l'a pas soutenu durant ces moments difficiles. Et c'est pénible de voir comment notre monde va mal, tout simplement parce que les gens restent indifférents lorsque nous leur demandons de l'aide. Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion d'être une bénédiction pour quelqu'un, tout simplement en lui transférant ces quelques mots de réconfort pour l'aider à surmonter ses difficultés. Ce n'est même pas une question d'argent ni d'aide physique. Juste prends ton pouce et clique sur ce message et transfère-le à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces paroles pour sortir de cette difficulté. Bien-aimé, je mise beaucoup d'énergie à aider les enfants de Dieu. Et je pense que tous ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur en aidant chacun à retrouver sa force. Nous allons maintenant prier. Mais s'il te plaît, n'ignore pas ce message. Car peut-être que quelque part, à cause de notre indifférence, à cause du fait que nous gardons certaines choses pour nous seuls, quelqu'un est en train de crier à l'aide et ne pourra pas sortir de cette difficulté. Agissons pour rendre le monde meilleur. Vous savez, bien-aimés, la vie est souvent tellement dure que nous ne savons même pas pourquoi nous sommes en vie. Et parfois, certains se posent la question, mais quelle est la raison de mon existence? Parce que je ne me sens pas en vie, je ne me sens pas heureux, je ne me sens pas épanoui, j'ai l'impression que quelque chose manque dans ma vie. Mais j'ai la certitude que par des petites prières comme celles que je vous envoie, nous pouvons changer le monde. Prions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de l'occasion que tu me donnes de faire ces prières dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que cette année, mon rêve ne deviendra pas un cauchemar au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que cette année, mon rêve ne deviendra pas un cauchemar au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que cette année, tout se passera à ma manière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que cette année, tout se passera à ma manière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise le déblocage de tout ce que la sorcellerie a freiné dans ma vie pour bloquer ma destinée depuis des années au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise le déblocage de tout ce que la sorcellerie avait bloqué dans ma vie pour freiner ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et j'annule tout programme de mort qui a été fait contre moi cette année et qui attend sa date de manifestation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et j'annule tout programme de mort qui a été fait contre moi cette année et qui attend sa date de manifestation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise l'ouverture de toute chose que l'ennemi avait fermée pour m'empêcher d'avoir la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise l'ouverture de toute chose que la sorcellerie avait fermée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise le brisement de tout sortilège qui fait que ma vie tourne en rond depuis des années au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prophétise que le Seigneur me tire de toute prison dans laquelle j'avais été enfermé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne l'ouverture de toute source de bénédiction que l'ennemi m'avait fermée pour me punir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne le brisement de tout enchantement autour de moi qui empêche les bonnes choses de venir dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout sortilège qui m'a été lancé pour freiner tout ce que je décide d'entreprendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ange de l'Éternel, déterre l'arche de guerre et secoue le camp de mes ennemis jusqu'à ce qu'ils soient tous détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que toute puissance qui avait juré que jusqu'à sa mort, je ne connaîtrai ni le bonheur ni le succès, soit foudroyée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise l'extermination de tout homme fort qui a été délégué contre moi depuis le monde des ténèbres pour détruire ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le tonnerre et le vent contre tout pouvoir qui poursuit mon âme nuit et jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute puissance qui quitte son corps pour venir oppresser ma vie durant mon sommeil soit foudroyée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je retourne la mort à toute personne qui me l'a souhaité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car il est écrit que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Seigneur, n'accorde pas ta miséricorde à ceux qui persécutent ma vie. Juge-les, combat-les, foudroie tout pouvoir déterminé à m'enterrer avant la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que le soleil ne se couche ou que le coq ne chante trois fois demain, que tout pouvoir qui est assis sur ma vie soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute femme dans les ténèbres qui a juré que je dois traverser son corps pour avoir ce que je veux soit foudroyée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute puissance de mari ou de femme de nuit qui combat ma destinée par des actes sexuels en rêve soit saisie à la gorge par des chaînes de feu et meure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout pouvoir qui a tout bloqué dans ma vie pour me persécuter soit décapité par l'épée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout voleur spirituel qui me dépouille même avant que l'année ne commence restitue mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si j'avais été enterré et que c'est la raison pour laquelle sur terre il ne m'arrive rien de bon, je brise l'enterrement maléfique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si j'avais été spirituellement condamné, je brise la condamnation et prophétise ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je révoque tout jugement que les hommes ont placé sur ma vie pour me freiner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute projection mentale qui a été faite contre moi par ceux qui s'imaginent des choses négatives contre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'enlève tout vêtement de souillure, de pauvreté, d'échec qui m'a été porté pour pervertir ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout livre de vie maléfique contenant des malheurs, des échecs et des souffrances écrits par le monde des ténèbres pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la destruction de tout ce que la sorcellerie a déposé dans ma main pour m'envoûter et qui fait que tout ce que je touche échoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre ma bouche des conséquences des actes sexuels que j'ai commis avec ma bouche et qui font que mes prières ne montent plus à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre ma bouche des conséquences des critiques, des paroles, des injures que j'ai prononcées et qui font que tu n'écoutes même plus mes prières, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-moi d'avoir souillé ma bouche avec le sexe. Pardonne-moi d'avoir souillé ma bouche avec des injures, des critiques, des blâmes et des plaintes
et purifie-moi pour que mes prières puissent monter à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-moi pour tout comportement sexuel mondain, pervers que j'ai adopté et qui font que ton esprit s'est retiré de moi depuis des jours, depuis des années ou des mois au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne savais pas que toutes ces choses étaient mal à tes yeux. Délivre-moi de mon ignorance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse tout péché qui a donné à Satan et aux sorciers le droit de venir et de me persécuter quand ils le veulent dans mes songes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi toute mauvaise porte que j'ai ouverte il y a des années par mon comportement sexuel, par mon caractère, par ma vie, par ma façon de me comporter et qui font que depuis que les années passent, ma vie n'avance pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la fermeture de toute porte que j'ai ouverte à la pauvreté à cause de mon manque de paiement des dîmes et d'offrandes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si c'est parce que je n'ai pas véritablement investi sur ton œuvre et sur la vie de mes semblables que je suis fauché et pauvre, pardonne-moi et délivre-moi des problèmes que j'ai attirés dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole dit que nous sommes frappés de malédictions parce que nous te volons et nous te trompons et qu'un homme ne peut pas tromper Dieu. Pardonne-moi pour toute fois que j'ai mal agi et aide-moi à me retrouver financièrement et sur le plan intellectuel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'ennemi perd tout droit légal que je lui avais donné sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-moi toute chose inconsciente que j'ai fait et qui a donné le droit à la sorcellerie de s'asseoir sur ma vie et délivre-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise ma délivrance, je prophétise ma libération, je prophétise le changement de ma vie et je prophétise que je suis une nouvelle personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise le déblocage de mes affaires. Je prophétise l'ouverture de mes portes. Je prophétise le déclenchement de la volonté de Dieu pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les choses anciennes sont passées. Alors, j'ordonne la manifestation de nouvelles choses dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton serviteur Éloge Ekissi pour ses prières. Merci pour la réponse que tu m'as accordée. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, alors que tu es en train de finir ces prières, n'oublie pas de partager à quelqu'un pour que Dieu le bénisse. Et aussi, si tu finis, ne m'envoie pas seulement un texto pour des prières, mais prends au moins 5 minutes, s'il te plaît, pour prier pour mon ministère, prie pour mes finances, prie pour tout, pour que le Seigneur me donne la force d'avancer. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, beaucoup croient que Dieu a donné à son serviteur l'onction pour tout faire, mais nous savons que sans le soutien des uns et des autres, il est souvent difficile d'avancer. C'est pour cela que je demande que tu intercèdes pour mon ministère pour que le Seigneur me donne les moyens d'avancer. Mon nom c'est Éloge Ekissi. Je suis évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur. Vous pouvez retrouver mes livres sur www.éloge.com. Ekissi.com Éloge Ekissi E-U-L-O-G-E Ekissi c'est avec E-K-I-S-S-I.com Éloge Ekissi.com Tout au plus, vous pouvez chercher Éloge Ekissi.com sur Google ou sur un moteur de recherche. Bien aimé, j'ai été très ravi de partager ces prières avec vous. Sachez que je fais des prières prophétiques et de combat puissantes sur Facebook en direct sur Periscope. Et aussi, j'ai ma chaîne YouTube qui comporte de nombreuses prières qui pourront vous faire du bien. Je suis très content pour tous les témoignages que j'ai reçus de partout dans le monde, des gens qui ont été touchés, délivrés, guéris, libérés, restaurés par les prières que le Seigneur m'a accordé de partager ces derniers temps. J'ai encore beaucoup de prières dans mon téléphone à partager. Si vous n'avez pas mon numéro, contactez-moi au plus 1-438-995-4109. Visitez mon site internet au www.elogeekissi.com et profitez de mes prières sur www.océandesgrâces.com
N'attendez pas qu'il soit trop tard pour demander une seconde chance alors que tout est terminé. Il faut agir. Bien-aimé, le temps est arrivé. Ne laisse plus l'ennemi te voler. S'il te plaît, agis pour changer ta vie. Que Dieu bénisse votre journée. C'était Éloge Ekissi.